Amis tireurs, bonjour. Nous nous retrouvons une fois de plus sur le terrain pour le test d'une arme, d'un pistolet en semi-automatique en calibre 22 long rifle. C'est une arme que nous avons déjà testée. Il s'agit du CZ Cadet, CZ 75 en 22 long rifle. Mais cette fois-ci, ce modèle-là est muni d'un canon fileté. Alors, ce filetage est protégé par un bouchon et il est au standard des carabines 22 long rifle habituelles. Donc, on va pouvoir tester avec un modérateur de son. Il y a le choix entre plusieurs modèles. Là, on m'a fourni un Brugger Etomet qui est bien sûr excellent comme modérateur de son. Il a surtout l'intérêt d'être très très léger. Et j'ai aussi essayé, alors j'ai déjà fait quelques essais, quand on a comme une arme comme celle-là, il est important de faire un premier essai sur appui pour vérifier que le filetage a été correctement fait, qu'il n'y a pas, l'arme n'a pas perdu de précision, parce que si jamais il y a un problème au niveau du filetage ou au niveau de la bouche, on va avoir des munitions qui vont se mettre un petit peu en travers, et quand on va mettre le silencieux, ça va créer de gros problèmes. Là, j'ai donc fait des groupements sans silencieux et avec le silencieux pour vérifier s'il n'y avait pas de problème. Et effectivement, il n'y a aucun problème. J'ai des groupements qui sont tout à fait cohérents. On n'a jamais exactement la même chose d'un groupement à l'autre. Et puis en plus, le silencieux vient quand même amener un petit peu de poids au bout du canon et ça peut changer les données en fait. Ça peut changer les vibrations. Ça veut dire qu'on pourra avoir de meilleurs résultats avec certaines munitions, de moins bons résultats avec d'autres, parce qu'on utilise le silencieux. Mais ce n'est pas le fait même d'avoir un silencieux qui va véritablement changer le groupement. J'ai donc vérifié qu'il n'y avait pas de balles qui arrivaient en travers, qu'il n'y avait pas de problème, que ça fonctionnait parfaitement. J'ai essayé ce Brugger Etomet et j'ai essayé un style. J'ai essayé plusieurs silencieux styles, qui sont des modèles économiques qui sont aussi intéressants. Et j'ai retenu le style numéro 4. Le 3 fonctionne très bien aussi. Le 2 est quand même très bruyant parce qu'entre une carabine et un pistolet, on a quand même une grosse différence. Un pistolet, une carabine, on avait essayé tous les silencieux styles, tous les modèles, et franchement, on ne voyait pas la différence, on n'entendait strictement rien. Avec un pistolet, il y a quand même une différence, on va quand même entendre un bruit. Il sera amoindri, bien sûr, il sera modéré, mais il va rester quand même un certain bruit. Et si on prend un style numéro 2, par exemple, ça ne sera pas très très efficace. Le style numéro 3 est un petit peu plus efficace, le 4 est quand même bien, je trouve. Il est plus lourd que le Brugger Etomet, c'est l'inconvénient, il coûte moins cher, il est d'une efficacité à peu près comparable. Et puis après, on a encore un style numéro 5, mais ça devient lourd et long. Ça, c'est pas très pratique après pour faire si on veut faire du tir à bras franc, ça sera vraiment pas l'idéal. Jean va vous en parler un petit peu mieux parce qu'il connaît bien cette arme. Bah Jean, si tu veux bien venir nous dire ce que tu penses de ce CZ, oui. Muni d'un canon fileté. Bonjour à tous. Alors, pour tout vous dire, moi j'en ai un. J'ai un CZ Cadet, mais il y a vraiment une chose à faire quand on achète ce genre de PA en 22, c'est que ça reste une arme de combat, le CZ-75 à la base. Mais vous allez pouvoir aussi faire, comme vous allez voir sur les cartons que Michel a fait, vraiment du tir sportif et aussi du tir ludique sur des plateaux de baltrap, des quilles de bowling, etc. Il y a une chose à faire qui ne coûte pas cher, c'est de refaire un peu le départ. C'est vrai que ça gratte un petit peu et donc n'hésitez pas, investissez, ça doit coûter dans les moins de 100 euros on va dire. Alors on peut dire que c'est l'armurerie FMR qui nous a donc fourni cette arme et qui assure la mise en place du filetage. Voilà, c'est ça. Et ils font aussi le départ préparé, effectivement. Oui. Donc moi, le mien vient aussi de chez FMR et je leur ai demandé de me revoir un peu le départ. Et c'est vrai que c'est très très important, c'est le jour et la nuit. C'est vraiment bien. Et en plus, bon, je reviens aussi là-dessus, sur ce CZ, ils font des poignées enveloppantes HOC qui sont vraiment très très bien parce que vous avez une prise en main optimum. Là, l'arme ne bouge pas quand vous l'avez en main. Si vous faites du tir rapide, ça ne glisse pas. C'est vraiment très, très, très agréable. Donc, deux choses à faire, vous voyez. Les instruments de visée, eux, sont très bien. C'est une hausse LPA qui est montée dessus.
Il n'y a pas de problème. Moi, avec le mien, j'ai tiré quand même déjà un paquet de boîtes, hein, et aucun incident, pas de problème. Dans la mesure où c'est bien entretenu, vous n'aurez pas d'incident de percussion, ni d'incident au niveau du chambrage des cartouches quand vous renvoyez la glissière vers l'avant. Bon, donc, bon produit. Comme le disait Michel, avec les modérateurs de son, attention, parce que avec le modérateur de son, on a beaucoup plus de facilité à tirer à deux mains, surtout avec le style numéro 4 qui est quand même assez lourd. À bras francs, le style au bout, vous aurez du mal à tirer une boîte, hein, je vous le dis tout de suite. Là. Et là, ça va être désagréable pour vous parce que vous serez beaucoup moins précis. Donc, je vous invite vraiment avec un modérateur de son à tirer à deux mains, de manière à ce que vous puissiez mieux supporter le poids de ce modérateur de son qui se trouve en bout de canon et qui aurait tendance à vous faire piocher dans vos tirs. Non, c'est vraiment un bon produit, comme tous les produits CZ. Hein, on se demandait d'ailleurs avec Michel pourquoi CZ avait arrêté cette fabrication, hein, puisque cela, c'était un lot qui était dédié au Mexique, et oui, qui est revenu, et qui a été racheté donc, par l'armurerie FMR. Mais vous allez voir, c'est un très très bon produit. Alors, c'est la carcasse vraiment du CZ-75, hein, où on pourrait très bien prendre une glissière, un canon, etc. en 9 par 1 de 75 et le monter dessus. Voilà. Les chargeurs sont exactement comme les chargeurs de CZ-75, mais à l'intérieur, ils ont mis un chargeur de 22 qui est manchonné justement, voilà, grâce au chargeur d'origine. Ce qui fait que vous avez le puits de chargeur d'origine. Donc, très bon produit, rien à dire. Vous serez... Alors tu parlais de ce lot, effectivement, le CZ-75 c'était un très bon produit, mais ils avaient arrêté la fabrication, CZ a arrêté la fabrication, donc on n'en trouvait plus en France. Et puis il y a tout un lot qui est revenu, qui avait été prévu pour le Mexique et qui finalement n'a pas été acheté, qui est revenu en France. Et je pensais que ce lot était déjà épuisé d'ailleurs, c'est pour ça que je n'avais pas fait d'article publié sur ce pistolet. Et puis l'armurerie FMR m'a dit, mais nous, on a toujours ce lot. Ben, je dis, oui, mais ce lot, c'est combien? C'est 5, c'est 10? Ah, il me dit, c'est une centaine. Donc, il reste encore une centaine de CZ cadettes à vendre. Ça va partir assez vite. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez encore vous en procurer. C'est quand même intéressant à savoir. Oui, vraiment. Parce que, bon, déjà, le calibre 22, c'est vraiment inusable. Vous aurez beaucoup, beaucoup de mal à utiliser cette arme, c'est clair. Donc, on va éventuellement faire un petit tir derrière, on va voir ce que ça donne. Oui, on va faire un petit essai avec le silencieux pour voir. Voilà, on va tirer sur le gong. Voilà, d'accord. C'est surtout pour voir la vitesse. Hein. Le but de ce type d'arme, comme c'est une arme à la base dédiée au combat, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir faire un tir récréatif, mais rapide. Vraiment s'amuser avec, à moindre coût, puisque celui du 22. Alors, c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir ce type d'arme, le 22, avec des modérateurs de son. Même au niveau des clubs de tir, je pense que ça ouvre la porte aussi à des journées réservées, on va dire, 22 modérateurs de son. Parce que bien souvent, les clubs de tir sont embêtés par la nuisance sonore. C'est pour ça qu'ils sont fermés. On les ferme en semaine ou même peut-être certains créneaux dans le week-end pour ne pas justement gêner l'environnement. Aujourd'hui, avec des carabines 22 équipées de modérateurs de son et de PA aussi équipées de modérateurs, je pense que les présidents de clubs de tir peuvent très bien dégager un créneau dédié justement à l'utilisation de ces armes sans créer de nuisance sonore. Et ça permettra aux tireurs, et ce, quel que soit leur âge, de pouvoir faire du tir, le pratiquer en toute tranquillité, sans venir créer ce désagrément dû justement aux détonations des armes. Quand on effectue des tirs, même en 22, ça peut être effectivement désagréable pour l'environnement. Donc c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il faut développer ça, hein, le 22 et les modérateurs de son. Voilà, à tout à l'heure. Je fais un petit réglage quand même avant. Alors, j'entends bien le claquement là-bas dans le sable. Oui. Parce que là, tu tires sur une cible, donc c'est dans le sable. Et j'entends pas, là, j'ai pas de casque anti-bruit non plus, j'entends quasiment rien à ton niveau. Hein. Non, on a vraiment un confort. C'est des subsoniques là, que tu as tiré. Hein. Oui, avec les subsoniques. Et imaginez-vous que là, on crée vraiment aucune nuisance sonore. C'est, comme je le disais dans la présentation, c'est vraiment intéressant. Ça peut ouvrir des créneaux de tir supplémentaires dans les clubs, dans la mesure où, avec des carabines équipées de modérateurs de son ou des PA, on peut ouvrir des séances de tir, c'est vraiment intéressant. Quoi. Là, tu as le silencieux Brugger et Tomette et tu as des Winchester subsoniques. Hein. Voilà, tout à fait.
Alors, comme je vous le disais, hein, moi, le mien, que j'ai acheté chez FMR, parce que c'est lui qui les distribue, j'ai demandé de revoir le départ, parce que ça grattait. Et c'est vraiment le jour et la nuit. Mmh. Avec le mien, c'est... Donc on entend ce coup de fouet là-bas, c'est ça cingle, c'est vraiment c'est l'impact qu'on entend. Ping. Et puis là on entend un petit, voilà. Quasiment bon, rien. Hein. Vraiment, il fait très bien son boulot, son office de modérateur, il n'y a pas de souci. Hein. Donc je vais le poser. On va pouvoir passer au gong. Oui, on va passer au gong. Je vais aller. On entend bien les gongs. Voilà, 10 sur 10. Ouais, t'as bien. Vraiment... On entend bien le bruit des gongs et on n'entend rien du tout ici. Hein. Donc... Mais par contre, les gongs, ça suffit pas à les faire bouger parce que le 22 en plus subsonique, c'est pas suffisant. Quoi. En plus, nous, les gongs, parce que comme on tire dedans avec des calibres majeurs, hein, on a fait en sorte que les gongs vraiment soient placés sur l'avant. Oui, et puis ils sont très lourds, ces gongs quand même. Ils sont lourds parce que c'est de l'acier, c'est vraiment conséquent. Donc, le plaisir du tir ludique. On le voit tout de suite, on met des gongs en 22, bien sûr, il faut que ça bouge. Hein. Ne tirez pas sur des plaques d'acier fixes, parce que vous aurez des retours. C'est très dangereux, donc il faut toujours tirer sur des gongs qui sont mobiles, de manière à ce que la balle, elle s'écrase dessus et ça bouge, on n'ait pas de retour. Très intéressant, vraiment. C'est un excellent PA en 22. Deux choses, hein, comme je le disais, moi, ce que j'ai fait sur le mien, j'ai fait revoir le départ... par FMR, hein, travail d'armurier, moi je ne touche pas à ça, et derrière j'ai mis une poignée carrément Hog, hein, parce que j'ai l'habitude, mon cerveau a enregistré cette façon de prendre mon arme, d'avoir ce grip, quoi, tout simplement. Mais vraiment, belle arme, un modérateur de son efficace, et après vous voyez, des sens de tir qui vont être sympas. On aurait pu envisager de tirer des plateaux de ball trap, des quilles de bowling, ce que vous voulez, quoi. Et sans créer de nuisance. Et même les gens qui sont autour de vous, sur une séance, on va dire, spéciale modérateur de son, ben, vous pouvez mettre 4-5 tireurs, là, il n'y aura aucun problème avec votre environnement. Vous n'aurez pas de plainte des gens dues aux détonations des différents calibres qu'on utilise normalement, quoi, couramment. Voilà. Donc, bonne séance de tir. Et n'oubliez pas, faites-vous plaisir. Et ce genre de PA, équipé d'un modérateur de son, vraiment, c'est du plaisir, quoi. Voilà. Merci Jean. À bientôt.